Il y a une trentaine de personnes qui l'ont échappé belle alors qu'un grave incendie a ravagé 7 résidences, ce type duplex dans l'est de l'île de Montréal. 5 alarmes ont dû être déclenchées à la suite de cet incendie. L'incendie a pris naissance vers 5 heures dans l'un des hangars situés derrière le 538 Gontier. Rapidement, les flammes se propagent à 7 duplex et forcent l'évacuation de 30 personnes. Sup, Snake, j'ai des mauvaises nouvelles. J'ai des frissons pis shake, j'suis là dans ta ruelle. J'tournerai pas trop autour du pot, c'est quand même important. Le gros, y'a eu le feu dans ton appartement. Tout est brûlé, calciné noir. J'suis capable de voir que ton évier dans la cuisine est par terre. Dans le cours y'a tes chaises, ton armoire, t'as pas de terre. Pis une couple de choses bizarres qui décorent ton parterre. Qui rendent ça vraiment louche, vraiment vraiment louche. T'es pas du genre à mettre des fleurs dans tes marches, surtout pas de couches. Une canette, une folie, une cigarette, un filet. C'est quoi t'arrêter de boire pis de fumer, c'est fini. Du monde me dit des affaires, mais c'est pas ce que j'ai lu. Aucun blessé, aucun mort, c'est ça sur toute l'avenue. Mais dis-moi donc, qu'est-ce que ton char fait dans le stationnement? C'est soit que le lieutenant s'est trompé, ou c'est soit qu'il ment. Une personne dont elle est sans nouvelles depuis l'incendie, qui rappelons-le, a commencé vers 5h hier matin. Les enquêteurs du service d'incendie de Montréal sont alors revenus sur les lieux de l'incendie pour finalement, en fouillant dans les décombres, trouver effectivement le corps d'une personne qui, selon toute vraisemblance, c'est pas juste, mais je le crée pas plus. Qu'ils vont vendre des t-shirts de ta face au marché aux puces, avec comme inscription Rest in Peace 1982-2007, the best indies. Non, j'peux pas le craire. J'carbure à bière, puis à boisson énergétique depuis avant-hier. J'me dis que tu vas arriver de nulle part en me disant sup chub, inquiète-toi pas, j'étais couché sur le divan. Parce qu'un matin ils ont dit qu'ils t'ont retrouvé à côté de ton lit. Jonathan Beaupré Guilbeault n'aurait pas passé l'autre nuit. Quand j'ai vu ton nom dans le journal, j'ai explosé en larmes. Inquiète pas, j'suis pas assez cheap pour blâmer l'alarme. J'm'en vais blâmer les pompiers, avoir fait confiance à des citoyens paniqués. Noé, j'ai beau chialer, j'veux pas te bring back. C'est Chuck, one love, s'il te plaît call back. Entre moi et vous, par voie d'aveu, y'a du un manque de communication. C'est sûr de trouver un alarme le lendemain. Ça s'appelle Madame André Beaupré. Elle était inquiète pour savoir qu'est-ce qui se passait au sujet de son fils. On est lundi. Personne des incendies et de la police de Montréal l'ont appelé. C'est pas un pigeon qui est mort, c'est un homme de 26 ans. À part le fait que je m'imagine ton décès, à part les flashs que j'ai de toi qui s'asphyxiait, je me souviens des bons moments, rien que des bons moments. Même les moments les plus tough, je vire en bon moment. Dans ton premier album, Underground Soldiers, t'avais la pression du rap cap sur les shoulders. On en a fumé des bats, bouffé des hot dogs. Hein. 2 semaines au Valentine, on était les top clients. 4 chacs, 2 patates, 2 coke en fontaine. Ketchup, napkin, peut-être une rondelle. La shot, j'ai perdu mon père, j'suis parti à repas. Sans savoir c'est où j'allais, j't'ai call en arrivant. J'suis perdu dans un parc, j'me calme une personne. S'il te plaît, arrive, j't'ai envie de me plaindre la personne. Comme un vrai chum le devrait. C'est pas comme si tu me le devais. Ton père est mort après. Après ma mère m'a foutu à la porte. C'est toi qui es venu me chercher avec mes sacs de linge propre. J'avais rien à part toi. Peu de cash, pas de toi, pas grand chose à t'apporter. T'es fait rentrer sous le coin comme Watchmen. On avait pas tant de cash, on jouait les gratte-scènes. On suivait des palettes de 5 qu'on mettait ensemble. Jamais j'aurais pensé que ça finirait ensemble. On a vécu étant coloc, c'est moins intense. On était séparés, on vivait moins de tension. Comme 2 frères, on se poignait pour des niaiseries. Sauf que j'suis pas là pour raconter nos conneries, c'est fini. La dernière fois que je t'ai parlé, c'était ton père. Tu me racontais que tu savais pas quoi c'est faire. Faut que tu sois fort, je le connais bien son garçon. Pour vivre ton deuil, au pire faisant une chanson. Repose en paix, mon Joe, tu vas nous manquer. C'est comme tu dis, les meilleurs partent en premier. Joe B.G. On veut pas t'oublier. Joe B.G. On veut pas t'oublier. Repose en paix, mon Joe, tu vas nous manquer.